s'abonner à la chaîne et de partager la vidéo. Cher petit Papa Noël, je m'appelle Quentin, j'ai 6 ans. Mes copains à l'école disent que tu n'existes pas, mais je suis sûr que c'est faux. Ils disent toujours n'importe quoi de toute façon. La dernière fois, ils m'ont dit que la petite souris n'existait pas non plus, et que c'est ma maman qui me met les pièces sous mon coussin quand je mets ma dent. Déjà, je sais que c'est pas vrai, parce que ma maman n'existe pas. Mon papa m'a dit qu'elle était avec sa maman, à elle, au ciel, et que je ne la verrai pas avant que je sois très vieux. Plus vieux que mon papy. Pourtant, il est très vieux, lui. À chaque fois que je le vois, il me fait rire avec sa tête rigolote. Mon papa me gronde à chaque fois que je rigole avec papy. Mon papy est toujours avec des autres monsieur avec de grandes capuches. Du coup, je ne peux jamais le voir longtemps. C'est dommage. Je l'aime beaucoup et j'aimerais être avec lui plus longtemps. Mon papa ne m'emmène jamais chez papy. À chaque fois, c'est lui qui vient me voir dans ma chambre. J'aime beaucoup le voir. Mais à chaque fois que je commence à lui parler, mon papa vient me chercher pour aller au parc ou ailleurs. Petit Papa Noël, pardon de t'embêter avec tout ça. Donc cette année, j'ai été très sage. J'ai même eu des images à l'école. Ma maîtresse a dit à mon papa que j'étais en progression. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'espère que ça ne fait pas mal. Comme j'ai été sage, mon papa m'a dit que tu m'offrirais ce que je veux. J'espère que c'est vrai. Parce que je sais que parfois mon papa dit des choses qui sont fausses. Hier, il m'a dit que papy ne venait pas me voir, que c'était impossible qu'il a dit. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si c'est vrai que je peux te demander ce que je veux. Alors je ne vais pas te demander tout ce que je veux, je vais te demander si tu peux m'offrir une carabine comme celle de mon papy. Pas une vraie bien sûr, je suis trop petit, mais une qui ressemble. Mon papy en a une belle, je me souviens il me l'a fait montrer avant. Je me rappelle quand j'étais petit, mon papy l'avait aussi fait montrer à ma maman. Je me souviens pas bien, mais ma maman a regardé le trou de la carabine. Je ne sais pas pourquoi elle pleurait par contre. Ni mon papy. Mon papy, je crois qu'il pleurait parce que sa bouteille d'eau n'était pas bonne. Il l'a même cassée à terre. Ah bah je sais maintenant, c'est pour ça que ma maman pleurait. Elle avait dû avoir peur du bruit. Papy, il est très drôle. Donc, petit Papa Noël, j'aimerais si tu peux une carabine comme papy. Ah, et aussi une balle de tennis. Pas pour jouer, mais pour mettre dans le trou de papy qu'il a dans la tête. J'aime beaucoup papy, mais j'aime pas voir le gros trou dans sa tête. Je t'aime beaucoup, petit Papa Noël. Je sais que tu as beaucoup de travail, et je vais te laisser tranquille. Je te souhaite un bon Noël, et il y aura une assiette de biscuits et un verre de lait sur la table, à côté du sapin.